Bonjour, il collectionne les vieux engins agricoles. Joseph Huneau, installé à Toury, a créé le musée paysan. On y découvre 118 tracteurs et notamment une batteuse à graines fourragères datant des années 40. Un musée en cours d'extension pour une meilleure mise en valeur des engins. Certains venaient me voir comme ça, par fantaisie, quoi. Et j'ai dit pourquoi pas, après tout. Mais ça a commencé par les écoles, les anciens. Et puis, maintenant, c'est toute personne, de tout âge. J'aime tout. Tout. Pour moi, c'est sentimental. Même un tracteur, ça me ferait du mal de le voir partir à la casse. L'épicerie ambulante. Vous allez voir. On est en quelle année? C'est Albert Cahin qui a fondé ça. J'ai son histoire. Il avait acheté un bateau de café au Havre. Il l'a séché, grillé et vendu à la petite semaine. Quand il est arrêté, il avait, attendez, 400 succursales en France. A commencer par la première charrue qui a été inventée par Mathieu de Dombasle en 1880. Qui est exposé ici, justement. C'est une belle pièce, quoi. Et la récolteuse épieuse qui a été, selon, qui est en exposition aussi, qui aurait été inventée par les Gaulois, à savoir, les écrits le disent, de toute façon. 89, à Pontier. Les marchands de tissus Legault. Et il a fini sa carrière à la Guerche. Attendez, je l'ai acquis, moi, en 80. Oui, j'avais mon fils qui habitait à la Guerche, et puis après avoir mangé le soir, il n'a pas d'enfant ni rien. Alors, il avait été faire un tour, il avait découvert sous un hangar. Et un jour, il me dit, tiens, dis donc, regardons ça. Ah ben oui, oui, oui. Il dit, documente-toi là où il est le propriétaire. Ben, le propriétaire m'a vu venir. Hein. Oui, oui. Et je l'ai acquis, quoi. Il est plein de quincailleries. Il était dans une quincaillerie. Je peux vous l'ouvrir, hein, mais c'est le souli. Hein. D'origine coincée, c'est marqué sur les moyeux. Le beau coincé. Bon, il y a encore de la famille à Chédebriand. Quand les écoles viennent, disent, ça veut dire, ça c'est interdit maintenant. Hein. Martinet. Oui, c'est le 15 brin, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 brins, c'est ça, oui. Ce qui est tout à fait apprécié aussi, que beaucoup ne connaissent pas, ce sont les alambics qui sont là. Ce sont des belles pièces, quoi. Ouais. Dont la plus vieille, elle date de 1800 quelque chose, que là-bas, ce qu'on appelait le tout début, la bouillotte, était transportée sans roue ni rien, était transportée dans un chariot quelconque, quoi. Pour faire les nids, c'est du chanvre, les tresses de chanvre, oui. Oui. Le chanvre et le lin étaient cultivés encore. Oui, oui. Aujourd'hui, on prétend que la graine, c'est de la drogue, je crois. Non. Oui, il est préférable de prendre rendez-vous. Il suffit que nous avons un repas de famille. Les enfants disent, dis donc, on est venu, c'est pour être avec toi. Et si, il est vrai, ça complique. Le musée paysan de Joseph Huneau est ouvert au public depuis 25 ans. Il est situé à Toury, au Grand Beaumont. Renseignements et réservations, vous l'avez compris, au numéro qui s'affiche.